Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un très court tuto dans lequel je vais tout simplement vous révéler l'un des easter eggs de la nouvelle map Der Eisendrache sur BO3. Alors pour le lancer, dans un premier temps, il va falloir améliorer les 4 arcs. Donc on a réalisé précédemment des tutos qui vous expliquent les différentes étapes à suivre et il va falloir améliorer également les DG4. Donc comme pour le début du secret général, lorsque vos DG4 sont améliorés, il vous suffit de vous rendre au clocher, directement derrière l'horloge, et de planter l'un de vos DG4 en mode piège juste derrière le clocher. Une fois ceci fait, il va falloir vous rendre au rez-de-chaussée, activer le petit levier, et l'horloge va tout simplement se remettre à fonctionner. Donc il va falloir rester à proximité de l'horloge, et vous l'aurez compris, lorsque vous actionnez le levier à nouveau, l'horloge cesse de fonctionner, il va donc falloir régler le décompte sur 9h35 précisément. Une fois cette étape terminée, si tout s'est bien passé, lorsque vous revenez dans la salle de la pyramide et lorsque l'apesanteur se déclenche, vous allez tout simplement voir 2 boules au-dessus de la pyramide, ce qui signifie que vous allez pouvoir être téléporté dans un espace-temps. Et maintenant c'est à vous, il va falloir faire preuve d'agilité et balancer votre personnage entre les 2 marqueurs bleus sur le mur en faisant en sorte de rester collé à l'un des marqueurs le plus longtemps possible et c'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver téléporté. Donc une fois que vous êtes téléporté dans le passé, concrètement dans la salle où vous vous trouvez téléporté lorsque vous réalisez le secret principal, vous trouverez sur la gauche du téléporteur une petite table sur laquelle se trouve un débouche-toilette. Et donc il va falloir tout simplement vous en emparer en faisant la touche action sur le débouche-toilette et lorsque vous reviendrez à la réalité, surprise, votre couteau sera devenu un déboucheur. Vous n'avez plus maintenant qu'à apprécier ce nouvel easter egg qui ne sert absolument à rien mais qui va ajouter un petit peu de piment et de fun à votre partie, surtout si vous ne prévenez pas vos coéquipiers au préalable. J'espère que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à liker, partager massivement. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde !